Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà. Bienvenue dans la team, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour tous vos abonnements, je vous remercie pour tous les messages que vous m'écrivez. On continue à partager, on continue à échanger et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de vous partager sur les choses, sur l'histoire qui se passe entre nos sœurs et surtout s'inspirer de la reine mère. La reine mère. Chacun son nom sur YouTube. La reine mère, Wendy Williams africaine, Mama Africa. Ah oui, je te vois déjà aller mettre un commentaire. Non, tu regardes d'abord. Peut-être qu'il y a un message pour toi. Regarde, regarde, regarde. Ne te limite pas par là. Tu regardes et tu écoutes. Cherche ce que je vais te dire. J'ai envie que tu écoutes aujourd'hui. Parce que la chose qui arrive dans la vie des autres, ça peut aussi arriver dans ta vie. Je peux arriver, mais bon, j'ai envie de faire ma vidéo, je la fais. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, tu n'as pas eu tort de cliquer sur ma vidéo. Je t'assure que tu n'as pas eu tort. Ici, on partage, on parle et tout le monde donne son avis. Et toi aussi, tu as le droit de le mettre en commentaire. Et si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à laisser un like si ça t'intéresse. Et après, c'est comme ça, tu es la bienvenue dans la team et c'est trop bien. J'ai longtemps hésité à parler de cette histoire. J'ai longtemps hésité parce que vous m'avez demandé de ne pas me mêler de ça. Je ne me mêle pas, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que c'est des situations qui peuvent nous arriver à tous. Se retrouver dans un conflit avec quelqu'un et qu'on n'arrive plus à sortir dans ces cercles vicieux, ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé avec ma copine. On s'entend très bien et on s'entendait très bien. Mais les gens sont venus entrer entre nous, on n'arrivait plus à sortir de ça. On se retrouvait à s'éloigner, on a passé des années sans se parler. Mais la chance que nous on a eue, c'est parce qu'on se connaissait avant physiquement, on se connaissait bien. Ça veut dire que chacun commence à se connaître, comment l'autre réagissait. Et même si quelqu'un va me dire aujourd'hui que oh, c'est la jalousie et t'aimes pas ainsi, moi je revenais toujours à me poser la question, mais non, comment est-ce que ça peut être de la jalousie? Mais je la connais bien, je connais sa façon d'agir, je connais sa façon de faire. Toi aussi tu as peut-être ta copine, tu as peut-être ton ami et vous deux aujourd'hui vous ne vous parlez pas. Parce que vous pensez qu'il a de la jalousie et quand tu en parles à ta soeur ou tu en parles à tes amis, à tes autres amis, ils te disent non, il faut t'éloigner d'elle. Parce que cette fille-là, ce n'est pas une fille bien, ce n'est pas une bonne copine. Et toi, tu prends la distance avec. Tu crées les trous entre vous deux. C'est compliqué ça. Et tu ne le vis pas bien. Parce que moi, je n'ai pas vécu cette situation très bien. Et aujourd'hui, quand j'en parle avec ma copine, elle non plus n'a pas bien vécu. Et ce qui arrive aujourd'hui entre nos sœurs, c'est pareil. Mais la différence qu'il y a entre nous, qui se connaissons déjà très bien, et eux, c'est qu'eux, elles se connaissent que virtuellement. Et quand on se connaît que sur les réseaux sociaux, si c'est moi, il arrive un truc, parfois, on ne peut pas savoir bien gérer ça, parce que vous êtes seulement qui à vous parler sur téléphone ou à vous parler par écrit. Vous ne savez pas comment est la réaction ou les mimiques sur le visage de l'autre pour savoir si vous allez bien discuter ou pour savoir comment vous allez prendre cette réaction. Et comme sur les réseaux sociaux, il y a les abonnés aussi viennent entrer dedans. Ils partent regarder chez l'un, ils regardent chez l'autre. Ils amènent les captures à gauche, les captures à droite. Ça nuit complètement à la productivité de ces personnes. Elles n'arrivent même plus à se mettre devant la caméra pour vous parler comme elles vous parlaient avant. Bien sûr qu'elles continuent à vous faire des vidéos et vous font des vidéos bien, mais à chaque vidéo, vous allez toujours sentir qu'il y a un truc qu'elle veut parler qui se réfère à ses problèmes. Et ça ne vous fait pas bien parce que je vois dans les commentaires les gens qui disent « On n'en peut plus de cette histoire, il faut passer à autre chose, il faut avancer et tout. » Ne vous étonnez pas de voir que la personne se fâche. Et se fâche complètement jusqu'à vous dire que vous êtes des serpents à 8 têtes. Et ne s'adresse pas aux personnes qui sont gentilles. Non, c'est à vous qui prenez des captures à gauche, amenez à droite, amenez à gauche, droite, je ne sais pas. Vous faites du mal.
à la personne. Si vous pensez que vous amenez parce que vous l'aimez, vous voulez qu'elle sache, non, ça ne lui fait pas du bien. Ça nuit complètement à sa vie. Vous avez vu comment elle a dit? Elle n'arrive plus à se concentrer. Ça la déstabilise et ce n'est pas bien du tout. Si vous voulez des choses de qualité, il faut arrêter d'amener à gauche et à droite. Si vous avez des amis pareils dans votre vie, qui à chaque fois qu'ils vous appellent, c'est pour vous amener des fausses histoires, des histoires qui ne vous apportent rien, qui est pour critiquer les autres ou pour vous faire juste du mal, il faut les éloigner de vous. Éloigne ses copines. Car tout ce que ça va vous apporter, c'est de la frustration totale. Vous allez vous retrouver à faire des choses autrement. Avant, vous les faisiez avec votre cœur, avec vos envies. Vous vous exprimez sans problème. Mais à force de vous apporter les histoires négatives, on a dit ça de vous, on vous a critiqué. Elle n'est là que pour vous dire des choses mauvaises, des choses qu'on a mal parlé de vous. Cette personne ne mérite pas rester dans votre vie. Vous avez le droit de vous éloigner de cette personne. Vous pouvez vous dire, ah non, moi je m'en fous de ce qu'on parle de moi. Je m'en fous des gens qui critiquent négativement mon nom. Mais je t'assure que tu peux te dire que tu t'en fous, mais ça affecte ta vie. Ça affecte ta productivité. Tu ne vas plus arriver à te concentrer comme toi tu le préfères, comme toi tu le veux. Si tu es une personne qui continue à nuire la vie des autres, il faut laisser les autres vivre leur propre vie tranquillement. C'est ça. Nous pensons que c'est leur vie, qu'il s'agit que de leur vie, mais cette vie-là que vous suivez tous les jours, ces filles-là que vous suivez tous les jours, que vous critiquez, que vous capturez, vous envoyez à gauche et à droite, c'est la même chose dans votre vie. Ça peut affecter votre vie aussi complètement. Sachez que toutes ces filles, toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, elles sont aussi des personnes comme vous. Et si vous les aimez et vous voulez avoir des choses bien tous les jours, il faut arrêter ces parties à gauche et à droite. La même chose que ça vous affecte quand les gens vous critiquent, la même chose que ça affecte votre vie quand on vous amène les choses négatives, c'est la même chose que ça affecte aussi leur vie. Je vais m'occuper de mon fiston d'amour qui vient de se réveiller. Je vous dis au revoir, Mama Africa, eh, Mama Africa, oh, Kwaeri.